J'ai du mal à accepter cette notion d'unité de l'opposition. J'ai du mal. Parce que vous parlez de quoi, de l'unité de l'opposition? L'unité de l'opposition n'existe pas s'il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas la volonté du peuple. Si vous pouvez être dans l'unité de l'opposition, mais si vous ne suivez pas ce que le peuple dit, ça c'est du pipeau. Alors, vous nous demandez de nous réunir avec des gens qui sont des valets de Kabila, avec des gens qui font la volonté de Kabila. Écoutez, souvent, j'échange des temps, excusez-moi, je change même des physionomies quand on me parle de cette question parce que je n'accepte pas la trahison. Je n'accepte pas les aventuriers. Je n'accepte pas des gens qui profitent des fois du peuple pour faire n'importe quoi. Quand le président Tshisekedi nous a appelé en juin 2016 d'aller à Bruxelles, à Genval, pour créer les rassemblements, où étaient-ils ces gens-là qui veulent faire l'unité de l'opposition aujourd'hui? C'est quoi l'unité de l'opposition? Mais quand nous avons demandé la marche, tout le monde peut venir. Demandez si vous êtes opposant, venez. Quand les jeunes gens du mouvement citoyen ont mis en place le manifeste des citoyens, ont demandé à tout Congolais d'y adhérer, ce n'est pas l'unité? Ça, c'est l'unité du pays. Les mouvements citoyens, le manifeste dit que Kabila doit partir. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Qu'un groupe de politiciens? Et là, vous êtes toute la nation réunie autour de ça. Bon, maintenant, vous demandez l'unité de l'opposition, pourquoi? Pour aller demain asséner un coup de massue? J'ai beaucoup de choses à faire. Ce sont ces gens-là qui ont torpillé le peuple lors du dialogue. Parce que dans les dialogues, il y a des, comment dire, des statements, des phrases qui sont dans l'accord, qui aujourd'hui prêtent à confusion, il y a beaucoup d'ambiguïté. Mais ce sont ces gens-là qui ont mis ces phrases-là. On peut en parler. Et maintenant, ils ressortent. Bah, des gens qui font des réunions secrètes avec les gens de M. Kabila. On les connaît. Non, si vous voulez que j'en dise beaucoup, j'en parlerai. Mais, s'il vous plaît, et j'ai dit à ces gens-là, ils vont me suivre, d'arrêter leurs bêtises, d'arrêter leurs aventures, et de ne pas prendre le peuple congolais pour de moins que rien, pour des naïfs. Parce qu'on connaît, on sait ce qu'ils valent, ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent bien que sans Kabila, ils ne sont pas là. Ils ne seront pas là. Donc nous ne pouvons pas accepter. Je ne peux pas, moi, Fayoulou, laisser mon peuple, laisser les gens dans, comment dire, être bernés par des aventuriers. Et je pèse bien mes mots, par des aventuriers. On n'est pas venu ici pour plaire à qui que ce soit. On n'est pas là pour, comme nous ne sommes pas des mazous, nous ne sommes pas des gens où je passe la... des balles parce que je veux me faire passer pour un martyr. Non. Alors, quand les gens viennent, ils disent c'est l'unité de l'opposition. Mais l'unité de l'opposition, c'est l'unité du peuple. Le peuple veut quoi? Alors, travailler dans le sens du peuple. Alors, vous allez vous réunir. Vous êtes combien d'opposants? 100. Quand vous réunissez 100, qu'est-ce que ça veut dire 100? Vous êtes 200? 200 par rapport à 85 millions de peuples congolais, ça veut dire quoi? Tous ces peuples-là qui réclament partout, tous ces gens-là qui sont déplacés à Beni, tous ces gens-là, parce que M. Kabila avait poussé les gens dehors et installé d'autres peuples. Vous trouvez ça normal? Et vous l'aidez. Si M. Kabila est là aujourd'hui, c'est grâce à qui? Grâce à ces gens-là. Donc alors, arrêtez des bêtises. Arrêtez, s'il vous plaît.